d'appel aux représailles au lendemain des frappes israéliennes sur des sites militaires en Iran. Ce dimanche, le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé que l'attaque ne doit être ni exagérée ni minimisée et a appelé les responsables iraniens à décider comment réagir dans l'intérêt de la nation et du peuple. De son côté, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a affirmé que les frappes avaient gravement endommagé l'Iran et atteint tous les objectifs d'Israël. L'attaque de samedi a endommagé des installations d'une base militaire secrète au sud-est de Téhéran et tué quatre soldats iraniens.